Mes amis, bonjour. Mon rêve se réalise. Je suis à Selva di Vargardena, dans les Dolomites en Italie. Nous sommes le 22 juillet et je suis au pied du téléphérique du Dante-Arcepiès pour entamer le plus beau parcours, que paraît-il, qui existe en Europe, le tour du Sasso Lungo. 66 km de descente non-stop et 500 mètres de dénivelé positif. Bien, je reprends mon petit speech. Je suis donc, comme je vous ai dit, dans les Dolomites, au nord de l'Italie, dans le Tyrol italien. C'est un endroit magique. Magique. Tout fonctionne, tout est propre. Les gens, ils sont sympas, courtois. Il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'il ne fait pas terriblement beau. La météo est capricieuse, il y a des nuages. Mais c'est bon signe parce que hier après-midi, on voulait faire le tour hier après-midi dimanche et en fait à 3h30, il a fait un orage. Mais les orages qui comptent quoi, qu'on en voit 4-5 dans l'année. Donc on a bien fait, on a dû le sentir que c'était pas hier qu'il fallait faire le tour, donc on le fait aujourd'hui lundi, en espérant que la météo reste nuageux, d'accord, mais pas de grêle ni d'orage. Et pas de foudre. Je suis en compagnie de mon petit-fils, de mon fils Julien, qui est dans la cabine arrière. Comme je vous disais, on considère que ce tour du Sasso Lungo, c'est un des plus beaux parcours d'Europe en VTT. 65 km de descente pour 500 mètres de dénivelé positif, mais bon, là, 500 mètres, on va les faire les doigts dans le nez. Nous aurons à prendre 4 ou 5 téléphériques pour nous remonter à chaque fois que ça sera nécessaire. On est super content, c'est un rêve qui se réalise. Ça faisait 6 mois que je préparais ce moment. J'espère que la météo va tenir et j'espère qu'on va se régaler. À midi, on se fait une petite bouffe accompagnée d'une grosse bière dans un refuge d'altitude. Et demain, on rentre à Avignon sous le soleil, avec les cigales. Voilà. On est tous très contents. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère vous proposer des très très belles images. Et je pense à vous, à ceux qui travaillent, payez bien les impôts parce que moi, je dois profiter encore quelques années de ma retraite. Ciao à tous. Un paysage à couper le souffle. J'avais jamais vu quelque chose de pareil. Regardez ça, regardez. Et vous avez vu comme ça chasse derrière? Oh, ton père, il est prudent, regarde-le. Regarde-le comme il... Alors, les amis, c'est la première fois que je descends quelque chose de si compliqué. Avec un mulet, 29 devant, 27,5 derrière. C'est très, très, très amusant. Voilà mon spécialisé au bout de 8 km. On est dans un état lamentable. On dirait que je me suis fait dessus. Oh là là, partout.
pas qu'il y a ça. On dirait pas, mais c'est quelque chose de... Mais ils n'avaient pas prévu du soleil, ces bâtards, aujourd'hui. Si. Bon, mais écoute, on n'a pas de soleil. Non, mais non. On dirait qu'on est dans le film La Mélodie du Bonheur. Oh, que c'est magnifique! C'est le plaisir des yeux là. Et le plaisir des flaques aussi. Oh mon Dieu! Il faut dire qu'à chaque sortie, tu le revises à 100% donc. C'est passerelle là. Ça glisse! Ça glisse! Ah ouais! Tu veux passer, Jo, Aurélien? Ouais, non, là, c'est trop vite, hein, j'ai... Tu me laisses tomber, quoi. Ah. Tu me laisses tomber. Il est prudent, ton père, hein? En tout cas, j'ai des freins extraordinaires. Ah ben là, vaut mieux, hein, parce qu'avec les patins. Allez, allez, allez.
C'est dur. En fait, ça glisse. Attention! Bon les amis, regardez ce que, regardez où je suis là. Voilà Julien qui arrive. Et voilà Aurélien qui arrive à son tour. Ah c'est mignon comme tout dit. Il est surprenant ce truc là. Une fenêtre sur les Dolomites, t'as vu comme c'est beau? Ouais. Voilà, ben, je ne sais pas où je suis. Je suis à Campolongo, à Bec de Rosses. J'ai un spectacle que j'espère pouvoir reproduire avec la GoPro, qui est inimaginable. Je pense que là-bas au fond, ce gros massif, c'est la Marmolada, un des plus hauts massifs des Dolomites, presque 4000 mètres, quelque chose comme ça. Et ici, regardez-moi cette haute plaine verte. Et nous sommes déjà à 2005, 2006, 2007. C'est quelque chose de absolu. T'es tombé? Non, non, pas du tout. Aïe aïe aïe. Tout se passe. Aïe 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 aïe. Heureusement que Mélène est là. Elle a pas... que Mélène n'est pas là. Aïe aïe aïe. Quand tu. Ça dérape de tous les côtés, il reste tout le temps debout sur le vélo. Alors ça c'est un passage particulièrement beau. Il y a quelques. Oh là 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 là. Ouf.
Ça passe? Oh putain, ça va dans tous les sens. Oh là là. Olé. Allez. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Tiens, allez, c'est bon, on y va. Tu peux rien y faire là, t'as vu? Regarde ce que je viens de tondre. J'ai glissé, tu emportes. Ne me dis pas qu'il passe là. Ça lui pose pas de problème. Là, par contre, je suis inquiet, tu vois. Même lui, regarde, il arrive aussi, il passe. Oh putain. Il va plus de vitesse, plus il y a de la vitesse. Et en plus, il fait du charme là, tu vois. Bon, mais voilà. Nous sommes à Araba. Oh, ça y est, il nous accueille avec les sons de cloche. C'est magnifique. Bonjour, le petit curé qui nous a accueillis avec les cloches, hein, Julien. On déménage, on vient ici. Tu as parfaitement raison. C'est la ronde. Tiens Julien, regarde. Ouais. On va prendre. On est là. Ouais, on prend ça, on va à Porta Vescovo. Et à Porta Vescovo. On fait ça, la rouge. Ouais. On doit aller chercher. On va aller al Passo Pordoi. Ouais. Passo Pordoi. Okay. C'est vraiment une organisation parfaite. Hein. Ouais. Et, oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est arrivé à la radio. C'est un petit avion. Va avec ton fils, Julien. Peut-être qu'on en a trois là. Hein. Je vois deux. Ah, trois, ouais. Aïe, 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 mais où on est ici? Mais où on est? Oh là 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 là. Il faut pas se tromper de route ici, hein. Parce que là, on ne sait pas où on va. Oh mon Dieu, c'est glacier là. Regardez là où ils vont après. T'as vu le T-siège là-bas? Ouais. Ah. Oh mon Dieu. T'as vu le passage dans la forêt là? Ouais, c'était bon. Magnifique. Mais tu sais, Julien, ouais. On doit faire 66, 65. Ouais. On n'a même pas fait 7 km. Hein. Ouais. Quand il y a une connerie à faire, c'est toi qui l'as fait. Hein. Bon, les amis, on est face à un glacier.
Donc probablement nous sommes au-delà de, en face, au-delà de 3005. Je vais vous dire ça. Ouais, mais ça passe, mais si c'est pas la route. C'est bon, c'est là. Ah, attendez. Il y a les filles qui appellent. On est à mi-parcours, on a dit ça. On a fait plus de 30 ans. On a fait 30. Qu'est-ce qu'il est cool. Porta Vescovo Bike Trail. On passe de 4003 à 660 mètres de dénivelé. Oh là là, là 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 là, on passe. Ça, c'est sauvage total. Hein. Total, total. Oh là là. Ah. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de majestueux. Quelque chose de majestueux. Il roule, papy, il roule! Ah non, non, il y a des passages que je ne tente pas. Ben là, là, l'escalier là. Moi, de ton âge, j'en vois pas, j'en ai pas vu deux ici. Hein. Ah, c'est vrai en plus. Ah, non, c'est vrai, c'est vrai. Oh. Je ralentis un peu pour pouvoir tout filmer là.